Énergie. Merci à tous d'être si nombreux ce soir, connectés comme chaque soir pour Génération Énergie. Je vous avais promis une surprise ce soir, bah oui, c'est une émission un petit peu spéciale. Il est là pour vous, c'est du belge forcément, vous reconnaissez certainement ce petit extrait. C'est Benji qui est avec nous. Bonsoir Benji, bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'être ici à Énergie Belgique. Merci à vous. Ça a été, t'as passé une bonne journée? Oui, j'étais déjà en Bruxelles pour quelques autres trucs, donc oui, mais je suis très content d'être ici. Tu viens d'Anvers, toi, on peut le dire, t'es donc néerlandophone à la base. Oui, mais je parle aussi le français grâce à des amis à moi. C'est chouette, tu parles même très très bien français, alors nous on va faire un petit effort quand même aussi. Hein. Oui. On va essayer de le faire un peu en néerlandais, Hoist. Goed. Alles goed? Zeker, met u. Oké, Nederlands. Dankjewel, ja. Fijn beetje, maar toch. Bedankt om er te zijn. Bedankt dat ik mocht komen. Ik ben heel vereerd dat ik hier mag zijn. Oh, ça fait plaisir. Dick est très honoré d'être ici à Énergie. Ben, ça nous fait plaisir, bien sûr, aussi. On a rassemblé toutes les questions des auditeurs sur Facebook, la fanpage Génération Énergie, et sur Twitter aussi. Oui. Et on va donc te poser pas mal de petites questions, découvrir qui se cache derrière Benji, trois lettres, en fait. Shoot. Benji, c'est pour Benjamin. Oui. Donc ton prénom raccourci, diminutif. Oui. Très facile. Voilà, tout simplement. Donc t'as 27 ans, t'es néerlandophone et j'ai cru comprendre que tu venais d'une grande famille d'acteurs aussi. Oui. Mon père est un acteur, ma mère est une actrice, ma grand-mère est une actrice. Je viens vraiment d'une grande famille des acteurs, des actrices, très artistiques. On peut dire que t'es tombé dedans quand t'étais petit en fait. Oui, c'est vrai. C'est chouette. C'est chouette, c'est très chouette. Ah ben ça fait plaisir. Si on devait te décrire en un mot, ce serait quel mot? Artistique. Parfait, oui j'en doute, c'est sûr. Alors, est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier de chanteur finalement? Oui, bon, j'étais toujours occupé avec de faire de la musique et j'aime la musique. Et donc faire quelque chose avec ça, c'est une rêve de faire ça. Est-ce que tu as eu un déclic à un moment qui t'a semblé être important dans ta vie en disant je vais faire de la musique? Oui, juste, moi je voulais toujours faire de la musique, mais je voulais avoir quelque chose à dire. Donc maintenant, à 27 ans, j'ai une histoire à dire. Il y avait beaucoup de choses que j'ai fait, j'ai essayé. Donc j'ai quelque chose, I got a story to tell. Il a une histoire à raconter, effectivement. Oui. Ah ben c'est cool, merci d'être là, tu restes avec nous? Oui, je reste ici. Hein. On vous rappelle les gars, c'est Benji qui est là avec nous en studio sur Énergie. Donc posez vos questions par SMS au 3018, sur Facebook, la fanpage Génération Énergie, sur Twitter. On revient juste derrière avec lui évidemment et avec un live de Talking to Myself ici pour vous sur Énergie. Jusqu'à 21h. Génération Énergie. Merci d'écouter Génération Énergie, c'est toujours Julie avec vous, je ne suis pas toute seule. Ce soir, c'est notre invité, c'est Benji. Il est avec nous en studio et ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Benji, ça va toujours? Oui, je suis ici. Merci d'être là. Tu vas nous interpréter ton titre Talking to Myself dans quelques instants. Oui. En live ici pour les auditeurs d'Énergie. Super. Merci beaucoup. Le temps de te poser quelques questions quand même. Hein. J'ai lu que tes influences musicales, c'était surtout le hip-hop. Oui. Parce que quand j'ai commencé à écouter de musique quand j'avais 16 ans, c'était toujours, j'ai écouté du hip-hop, c'était toujours, l'hip-hop, Tupac, c'était quoi, tous les vieux trucs de hip-hop. Donc, d'accord. Pour moi, c'est une manière pour expliquer mon histoire, c'est plus facile pour moi de faire en rap. Je chante aussi, donc je crois que la genre est un peu crossover hip-hop. Comme c'est ça, donc ouais. C'est grâce au hip-hop que tu es là et que tu rappes plus que tu chantes, tu préfères raconter des histoires comme ça. Est-ce qu'il y a des artistes justement qui t'ont inspiré plus que d'autres? Il y a plusieurs, il y a beaucoup, mais un qui m'inspire c'est Jay-Z. J'aime vraiment bien comment il fait son truc. Eminem, comment il écrit des paroles, et c'est incroyable. Donc il y a tellement d'artistes qui sont en inspiration. Qui sont une inspiration pour moi. Et ne t'inquiète pas, tu gères très bien le français. Je fais de mon mieux. Les auditeurs nous demandaient justement, ça fait quoi à 27 ans de se retrouver dans le top des charts avec un premier single comme Talking to Myself? Comment tu te sens? Spécial, je suis très, je sais pas, honoré. C'est quelque chose que j'ai jamais entendu, que j'ai jamais entendu. Et c'est là. Donc j'ai pas de mots pour ça. C'est fantastique et j'espère que c'est le début. Je peux encore continuer et avancer, faire encore plein de projets. Ouais. On va en parler justement de tes projets qui vont arriver, puisque la question que se posent tous les fans, à quand l'album, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Maintenant, je viens de finir le deuxième single et je crois que je vais sortir ça peut-être en mars.
Et moi, en fait, j'ai déjà beaucoup de morceaux pour l'album, mais je sais pas encore quand, quoi. Ça dépend aussi du label. Ça va être quelque chose de spécial. Ça va être dans le même genre du Talking to Myself, mais aussi peut-être un peu d'autres. Ça va être un crossover album. Chouette, un gros mélange, un crossover, ouais. Comme il le dit. Hein. Ouais. Alors justement, tu décris ta propre musique comme étant de la real music. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup de musique qui... Real music, c'est juste pour dire que c'est une vraie histoire. Le Talking to Myself et tous les autres, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, de mon cœur. Et ouais, pour moi, ça c'est real. C'est avec ça, je veux dire, c'est pas juste une morceau pour entertaining. Ouais. Ça c'est aussi bien, hein, mais il y a un message dans ma musique. Un message lié à ton histoire personnelle, peut-être. Ouais, mais aussi, je crois aussi, pour des gens, ça peut être une source d'inspiration, d'accord, de motivation quand tu es dans un mauvais trip. C'est le but. J'ai lu ça justement en préparant ton interview, que tu espérais que ta musique aide les personnes qui traversent des moments difficiles à aller de l'avant et surmonter les problèmes. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, parce que je crois on a ça tout. Moi j'ai produit un long métrage il y a quelques ans, et moi je croyais que ça va être un grand succès. Et au fin là, la société était faillite, c'était une catastrophe. Ouais. Et là, à ce moment-là, je me sentais vraiment mal. Je savais qu'est-ce que je vais faire maintenant, et à ce moment-là, j'ai dit, je vais écrire cette histoire et je vais essayer d'aider des gens, motiver eux quand ils passent un moment difficile. Ouais. Et aussi, ça peut être aussi entertaining. Exactement. Mais le mélange. T'as besoin de musique, toi, dans ta vie au quotidien, pour t'inspirer, etc. Ouais. Tout, musique, c'est... Je peux pas imaginer une vie sans musique. On est deux. Parfait, ouais. On va bien s'entendre. Oui. Justement, on parle musique. J'ai quelques petites questions. C'est quoi la chanson qui te met de bonne humeur le matin? Moi, j'écoute beaucoup des musiques congolaises. J'ai une deuxième mère qui est congolaise. C'est juste, j'appelle ma mère congolaise. D'accord, ok. c'est une artiste qui s'appelle Fally Ipupa. Ok. Et c'est du musique, ça bouge. Si je mets ça dans le matin, ça met de bonne humeur. T'as le sourire. Ouais. c'est ça. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est fantastique. D'accord, on va essayer de découvrir, évidemment. Ouais. C'est quoi la chanson que tu chantes sous ta douche? Je chante pas dans la douche. C'est vrai? Non, je relaxe dans la douche. Non, pas dans la douche. D'accord, pas comme ça on saura la vie privée de Benji. La chanson qui a marqué ton premier flirt, ton premier rendez-vous avec ta première copine. Oh, c'est quoi ça? Ça se dit dans longtemps. Tu veux dire la première chanson? Ouais. Qu'est-ce que c'était ça? Peut-être le truc du Titanic, ou je sais pas, ça fait longtemps, je sais pas. Benji est un lover. Céline Dion. Romanticus. D'accord, c'est son deuxième prénom. Je rigole. Ok, d'accord. Et la chanson que t'écoutes en boucle dans ton iPod en ce moment, c'est quoi? Beaucoup, j'ai plusieurs chansons, mais maintenant, qu'est-ce que j'écoute beaucoup? C'est difficile à répondre. Hein. C'est dur à répondre. Allez, tu peux sortir le joker. T'es pas obligé de répondre. Est-ce que Benji est sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux? Ouais, je suis commencé à faire le Facebook, Twitter, je fais pas encore. D'accord. Donc ça commence, hein. C'est juste BNG Music peut-être. Mm-hmm. Ouais. C'est ça, ta fanpage. Ouais, ça c'est mon fanpage. Et ma on va aller liker tout ça, évidemment. Ouais, il me semblait bien it, que je n'avais like pas trouvé it. Sur Twitter. Ouais. Je cherchais. Like est-ce que tu te sers justement des réseaux sociaux pour discuter avec tes fans? En fait, sur YouTube, je reçois beaucoup de messages. Donc, c'est là le plus, les gens qui voient les clips, les vidéos ou le morceau, ils m'envoient des mails et tout ça. Donc, c'est pas vraiment sur Facebook. Normalement, c'est comme ça, mais je sais pas, c'est le début. Hein. C'est le début. Ça doit encore commencer. C'est clair. On te souhaite évidemment plein de bonnes choses qui vont arriver. J'espère. Alors, justement, comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Moi, je sais pas, j'essaye de vivre in the now. Je vis maintenant, je sais pas qu'est-ce qui va venir. Donc, je suis vraiment ici maintenant et je sais pas. Let it come. D'accord. Et donc, dans les projets à venir pour les semaines qui arrivent, c'est quoi? La promo, j'imagine? La promo est de travailler dans le studio pour finir le deuxième single. Et j'ai encore, un nouveau film peut-être, je vais faire aussi. Chouette. Commencer comme producteur. Donc, ouais.
Il y a des choses qui viennent. Plein de bonnes choses en tout cas. Oui. Est-ce que tu es prêt pour faire ton titre en live dans quelques instants? Je suis prêt. Ne stresse pas, tout va bien se passer. Alors les auditeurs, restez avec nous, ça se passe ici sur Énergie, Génération Énergie avec Benji en live pour vous. Tous les soirs, Génération Énergie. Avec Julie. On est toujours en direct ici en studio pour Énergie Belgique avec un artiste 100% belge, Benji. Vous l'avez découvert avec son single Talking to Myself. Bah, il est là en studio en pleine forme pour vous interpréter en live, en direct, son titre qui s'appelle donc Talking to Myself. Retenez bien ce nom, c'est Benji, trois lettres. BNJ tout simplement. Benji, tu es prêt? Je suis prêt. On peut y aller pour le live? On peut aller pour le live. Alors attention, c'est parti, vous écoutez Énergie, Génération Énergie avec Benji et Talking to Myself. Yo, I wrote this song from the heart, for the heart. So this one is for everybody who's listening to Energy. Let's go. Right now, right now. Yesterday, my best friend passed away on what will be remembered as a cold and dark day. My heart stood still for a moment, I could barely breathe. No way, is he really gone? Life passed in a blink of an eye. I cried and cried the day he died. Now talking daily to your kids on Skype. Jack, man, you should be fucking alive, we all miss you. Kiss the sky for me, will you? And make it blue as you walk through the heavenly gates now await you. I'm grateful, man, I've met you and treasure our moments together. Not enough, but hell, what was the matter with me? Why didn't I see it all clear? Only now I feel I just woke up, but you're asleep. Come on, this is way too deep. I'm talking to myself again while inside I weep. I'm talking to myself right now. Do you hear me? Are you here with me? Yeah. Hey, I'm talking to myself right now. I'm afraid I don't feel so good. These feelings I have inside, these feelings make me wanna lose my mind. Every day I wake up, morning depression I gotta get through, but it shakes me up so hard. Inside I bleed, but life goes on, life is hard. We all get scarred, but the trick is to get ourselves together and show we got heart. Yeah, now the sun is shining, yeah, now the clouds are shining, yeah. I regained the power, recharge myself for my darkest hours. So you can too, you just can't allow it. You gotta be brave when you're sinking downwards. Fight your demons, fight the dark power. Good will overcome, you lose, you win some. Believe and let no one else tell you different. Pursue your dreams every instant. Follow your heart in the distance, and you will shine in existence. So everybody who's feeling down, if you're in a tough spot, always remember, keep your head up to the sky and keep on going, keep on believing, and everything will be alright. That's my message here. Here we go. Hey, I'm talking to myself right now. Do you hear me? Are you here with me? Yeah. Hey, I'm talking to myself right now. I'm afraid I don't feel so good, no. Hey, I'm talking to myself right now. Do you hear me? Are you here with me? Yeah. Hey, I'm talking to myself right now. I'm afraid I don't feel so good, no. Hey, I'm talking to myself right now. C'était Benji sur Énergie, merci Benji. Merci à vous, c'était merci. C'était juste génial, tu reviens quand merci. Tu veux. Oui, je on reviens. On rappelle évidemment ton hit s'appelle Talking to Myself. Benji, à réécouter sur le www.energie.be. À la prochaine Benji. À la prochaine. Salut, merci. Bye bye. Bye bye.